vivait en dehors des chemins forestiers. Ce n'était nullement un arbre de métier. Il n'avait jamais vu l'ombre d'un bûcheron, ce grand chêne fier sur son tronc. Il eut connu des jours filets d'or et de soie, sans ses proches voisins, les pires gens qui soient, des roseaux mal pensants, pas même des bambous, s'amusant à le mettre à bout. Du matin jusqu'au soir, ses petits rejetons, tout juste canne à pêche, à peine mirliton, lui tournant tout autour, chantait in extenso l'histoire du chêne et du roseau. Et bien qu'il fût en bois, les chênes s'écourant, la fable ne le laissait pas indifférent. Il advint que lassé d'être en butte aux lazis, il se résolut à l'exil. À grand-peine, il sortit ses grands pieds de son trou et partit sans se retourner, ni peu ni prou. Mais moi qui l'ai connu, je sais bien qu'il souffrit de quitter la gratte patrie. À l'orée des forêts, le chêne ténébreux allie connaissance avec deux amoureux. Grand chêne, laisse-nous sur toi graver nos noms. Le grand chêne n'a pas dit non. Quand ils eurent épuisé leur grand sac de baisers, quand de temps s'embrasser leurs becs furent usés, ils ouïrent alors, en retenant des pleurs, le chêne comptant ses malheurs. Grand chêne, viens chez nous, tu trouveras la paix. Nos roseaux savent vivre et n'ont aucun toupet. Tu feras dans nos murs un aimable séjour, arrosé quatre fois par jour. Cela dit, tous les trois se mirent en chemin, chaque amour tenant une racine en main. Comme ils semblaient contents, comme ils semblaient heureux, le chêne entre ses amoureux. Au pied de leur chaumière, il le fit replanter. Ce fut alors qu'il commença de déchanter, car en fait d'arrosage, il n'eut rien que la pluie, des chiens levant la patte sur lui. On a pris tous ses glands pour nourrir les cochons. Avec sa belle écorce, on a fait des bouchons. Chaque fois qu'un arrêt de mort était rendu, c'est lui qui héritait du pendu. Puis ces mauvaises gens, vandales accomplis, le coupèrent en quatre et s'en firent un lit. Et l'horrible mégère, ayant des tas d'amants, il vieillit prématurément. Un triste jour enfin, ce couple sans aveu le passa par la hache et le mit dans le feu. Comme du bois de caisse, amer destiné, il périt dans la cheminée. Le curé de chez nous, petit saint besogneux, doute que sa fumée s'élève jusqu'à Dieu. Qu'est-ce qu'il en sait le bougre, et qui donc lui a dit qu'il n'y a pas de chêne en paradis? Il n'y a pas de chêne en paradis.